Dans ma vie, j'ai toujours le souci de prendre le côté des plus petits. Parce que l'Évangile me recommande. Les plus petits, leurs cris viennent à moi. Et c'est ça qui me crée souvent des soucis. Parce que je me suis donné cette mission d'être l'avocat défenseur des opprimés, des petits. Quand on parle de petits, c'est pas en âge, mais c'est en fonction des moyens, de la catégorie sociale. C'est aussi des femmes, des veuves, toute cette classe déshéritée, qui parfois, lorsqu'elle veut tout simplement revendiquer, on tape sur la joue. Il y a de cela près d'un an et demi, j'étais en train de dénoncer et vous alerter sur le cas d'un jeune homme qui avait affaire à un général de l'armée camerounaise. Ce jeune homme s'appelle Thomas d'Aquin Ntern. Je vous racontais que c'est un orphelin qui a fait des études jusqu'au cours moyen 2 et qui, à force de bricoler, a réussi à se fabriquer seul. Étant aisé et parce que le général Mpaye voulait des terres, puisque nos militaires ne vont jamais rêver d'aller peut-être faire comme tous les autres militaires, libérer le peuple, leur idée, c'est de piller les terres des pauvres. C'est ainsi donc qu'il s'est servi de ce Thomas d'Aquin Ntern pour pouvoir souvent négocier en son profit les terres, l'acquisition des terres. Et pour mieux le flatter, il lui avait dit, dans mes sociétés, tu seras aussi actionnaire, tout comme ma fille, très adorée, qui est avocate, et bien sûr aussi mes fils, qui sont tous dans la haute société. Mais comme je ne veux pas qu'on me voie beaucoup, tu seras donc devant. Bref, tu es comme un prête-nom. Tu vas acquérir des titres fonciers pour que je puisse plus tard y investir. Et tu auras dans mes sociétés un pourcentage de 10%. Affaire conclue. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin Ntern va réussir au moins à négocier des lots de terrain, que ce soit aisé comme partout, jusqu'à faire obtenir au célèbre général Mpaye 121 titres fonciers. 121 titres fonciers, vous avez bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un général de l'armée. Ce n'est pas un homme d'affaires. D'abord, il prend de l'argent où? Allez le lui demander. Sauf que, quelques temps après, va se rendre compte que ce qui lui était promis comme dividende dans les entreprises où il était actionnaire ne lui était pas reversé. Et bien sûr aussi, les terrains, comme on lui disait, tu auras des parcelles, cela était plutôt détourné et curieusement au profit de ses enfants. Et c'est comme ça que Ntep va se révolter, va d'abord bloquer un titre foncier. À cette époque, j'avais d'ailleurs diffusé l'audio de la fille du général Mpaye qui négociait en disant que le général était
un véritable patriarche, essayant d'amadouer un tête, de lui remettre ce titre afin de pouvoir rester en toute liberté. Il n'était pas beau pleurer. Il a beau supplier tous les dieux de la terre. Bien au contraire, le général Mpaye est parti encore lui porter plainte. Dans cette affaire, il n'y avait aucune charge à retenir contre lui. Au départ, des procureurs rejetaient en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Sauf que le général Mpaye est venu se présenter avec ses galants. Et du coup, on a donc décidé de faire à leur façon. C'est ainsi que Ntep, Thomas Daka, s'est retrouvé au tribunal. Lui qui demande son argent. Lui qui a été grugé. Lui qui a été exploité. Lui qui a été esclave de cet homme. Il se retrouve plutôt condamné à 2 ans de prison ferme. Et ce n'est pas tout. On lui dit, lui, un pauvre gamin orphelin, de payer au général Mpaye 300 millions de francs CFA. Et comme dépend de reverser dans les caisses de l'État 15 millions. Ça fait donc 315 millions. Faire appel au Cameroun, c'est impossible. Il faut d'abord payer pour faire appel. Comment vous voulez que quelqu'un, un pauvre, la justice décide, c'est-à-dire que le gars a tous les documents avec la signature du général Mpaye, où il prenait engagement, où il faisait ceci, il avait tous les éléments. On le condamne. Il a donc commencé à vivre dans la clandestinité. Puis, un 22 mai 2022, le voilà qui est arrêté, puis envoyé au CED, où il va passer 2 nuits. Au bout de 2 nuits, il est transféré à la prison principale des Eka, pas après 2 nuits, parce qu'il va arriver à la prison principale des Eka le 27 mai 2022. Là va commencer le véritable calvaire. Sur instruction, bien sûr, du général Mpaye. Le régisseur va interdire à la famille de lui rendre visite. Bien plus, le régisseur qui avait trouvé qu'il avait 6 millions de francs CFA parce que faisant ses petites affaires, lui a extorqué cette somme d'argent. Soit dit en passant, il offrait parfois des petits dons aux prisonniers des ECA qui finalement l'ont vu débarquer là, maltraité, mis à l'isoloir. Là-bas, non seulement manger est compliqué, mais parce qu'il était capable de contacter la presse ou certaines personnes du village et qu'on voyait qu'il n'était pas encore mort, eh bien le régisseur
avait donc demandé, avait donc négocié avec Mpaï pour l'envoyer encore beaucoup plus loin. Là, on appelle Yoko. Et pour partir à Yoko, c'est ce qu'on appelle une affectation disciplinaire. On bifurque d'abord avec lui à Antui. Et là-bas, on va le déchausser. On va prendre, le régisseur va prendre la machette. Il s'appelle Lionel Huslem. Taneke. Vous avez entendu le nom du régisseur? Lionel Taneke Fou. Retenez seulement ça. Parce que Wislem là, on ne sait même pas comment, qui lui a même donné la qualité de nom là. Lionel Wislem Taneke Fou. Un vrai fou furieux. Il déshabille les habits. Il enlève ses habits. Il est torse nu. Comme King Kong. Tu vas voir ce que je vais te faire ici. Avant d'arriver dans la prison de Dieu, il tape le gars, boxe le gars avec la machette. 600 coups. C'est à peu près comme on avait fait à Martinez Zogo au niveau de la plante des pieds. On avait enlevé la peau. Le gars crie. Il n'a plus de force. C'est quand il est épuisé qu'on se dirige donc avec lui à la prison de Yoko. La prison de Yoko, à l'époque, avait été conçue pour des terroristes, ce qu'on appelait des terroristes. La prison de Yoko, quand on t'envoyait là-bas, cela voulait dire que tu es condamné à mort. C'est l'une des pires prisons du Cameroun. Et d'ailleurs, quand il y a des affectations au niveau de Kondangi, on vient vous prendre en pleine nuit vers 2h du matin. C'est-à-dire que les gars viennent étant masqués. Les gars de l'armée, les gardiens de prison, les gendarmes, tous, tu ne vois pas leur visage. Moi, j'ai vécu ça là-bas. Ils entrent cellule par cellule. Boum, ils te prennent. Boum, ils te prennent. Puis, ils partent avec vous. Toi-même, tu ne sais pas là où tu vas. Quand on t'amène à Yoko, 90% des gens qui vont là-bas ne ressortent pas vivants. J'ai dit 90%. On arrive donc avec lui à la prison de Yoko, où le régisseur lui-même de là-bas dit, mais il est déjà presque mourant. Comment moi je vais faire? On lui dit, débrouille-toi. On le jette en cellule. Thomas Dakantem entre dans l'agonie. Et puis, on décide de faire appel au médecin. Le médecin va l'ausculter, il va se rendre compte que la situation est très grave. Le gars vomit du sang. Il pisse du sang. Et même, le sang sort par les fesses. On tente de tout faire. La famille est en train de le chercher, ne sachant pas qu'il est déjà à Yoko. Le 1er juin 2023,
quand il est arrivé à Yoko, 1er juin 2023. La famille cherche donc à saisir les autorités. Ils écrivent au ministre de la Justice, puisque le docteur Bertrand Arroga affirme, c'est le médecin qui l'a ausculté. Il fait un certificat médical. Il dit la situation de ce monsieur est désespérante. Il lui établit un certificat médical, lequel est envoyé au ministre de la Justice, Laurent Esso. On saisit le parquet également de Yoko. Mais en fait, Laurent Esso, ayant les documents, au lieu d'inculper le régisseur qui est son complice, il prend plutôt le régisseur, il l'affecte à la prison de Monatélé. Vous voyez ce que Laurent Esso est capable de faire. L'affaire est bloquée depuis des semaines, depuis des mois. Personne ne peut enquêter. Le gars est mourant. Laurent Esso a tout bloqué. La famille écrit donc à la présidence de la République pour dénoncer ce qui s'est passé. Pour relater. Même là-bas, Laurent Esso cherche toujours à bloquer. Parce que quand l'enquête, quand la présidence demande une enquête, ça retombe entre les mains de qui? Ça retombe entre les mains du même Laurent Esso et de ses procureurs. Voilà donc pourquoi est-ce qu'on vous dit ce régime, c'est un régime criminel. Ce sont des assassins. Comment peut-on, un général, il dit qu'il a des enfants, il va prendre l'enfant d'autrui. Il s'entend avec Laurent Esso pour ôter la vie à cet enfant. Quel est ce pays où vous ne pouvez pas revendiquer vos droits? Quel est ce pays où le ministre de la Justice est le premier malfrat et couvre des bandits, des assassins? Depuis que Laurent Esso est là, aucune affaire de crime n'a été résolue. Il n'y a que des assassinats ciblés. Et Paul Biya ne l'a jamais changé, le gars est là. Il se moque de tout le monde. Nous sommes donc dans quel état? Vous avez pu voir, il n'y a pas longtemps, l'assassinat d'une jeune, d'une femme, Madame Zamboué. Où se trouvent les enquêtes? Les organisations internationales, tous les jours, indexent le Cameroun. Mais eux, ils sont là pour me chercher sur Facebook. Ils sont là à travers des réseaux sociaux, y compris des jeunes, qui continuent à soutenir ce régime. Soutenez-le. Oui, vous qui soutenez Biya, sachez que sa machine broie tout le monde. Ce sont des jeunes qui, dès que tu veux lever la tête, on coupe ça. Nous sommes dans un régime de la gérontocratie. Ceux qui applaudissent Laurent Esso
qui disent je suis patriote. Quand vous aurez des injustices, que vous avez commencé votre affaire, on vous impose les impôts, on vous impose ceci, après on vient, on vous arrache votre terrain. Regardez le nombre de terrains qu'on arrache aux gens au Cameroun. Regardez comment on jette les gens en prison qui n'ont rien fait. Regardez cet enfant, il demande son argent, mais on préfère l'opprimer parce que lui, il n'a personne. Et vous également, vous êtes là. Personne ne dénonce. Tout le monde dit, je vais voir mes enfants grandir. Vous savez pourquoi est-ce que, quand je parlais des juifs tantôt, pourquoi est-ce qu'on les respecte? Parce que vous ne pouvez pas faire ça à un juif. Ils sont solidaires. Ils vont se lever ensemble. Ils vont revendiquer. Mais chez nous, chacun se fait égorger à son tour et tend le cou comme un mouton. Pendant ce temps, ceux qui sont à côté, ils se disent que, ah, c'est celui-là qu'on aide. Oubliant qu'au prochain Ramadan, ce sera son tour. Et au prochain encore, au surprochain, ce sont ses enfants. Ce que nous faisons, cette sensibilisation, comme je le dis, je ne le fais pas pour mes enfants. Parce qu'au moins, s'ils ne subissent pas ces injustices, ils sont ici, en France. Et je suis capable de pouvoir dénoncer la France étant en France. Sans courir le risque d'être zogoïfié. C'est-à-dire, tué à la manière de Zogo Martinez. Quand vous regardez vous-même, c'est ce pays-là. C'est dans cet état-là que vos enfants-là vont grandir. Vous voulez les voir grandir? Voilà donc une tête qui est en train de grandir en prison. Une tête est en train de mourir en prison. Ces enfants, s'ils vont tenter de pouvoir aussi revendiquer quelque chose, eux, ils n'auront même pas d'enfants. Encore que, actuellement, ils n'ont plus rien à manger. Eux, ils sont en train de se gaver. Ils envoient des jeunes comme vous nous attaquer. Regardez parfois certains dans les réseaux sociaux, ils n'ont ni maison, ni avenir, ni travail. On les appelle parfois là-bas, au niveau de la délégation générale de la sûreté nationale. Comme des petits espions. On leur donne un peu d'argent. Allez, insultez, j'ai pour les mingonons. Pendant ce temps, leurs enfants n'ont même pas de l'argent pour la scolarité. Et quand ils vont finir leur mission, on va couper leur tête. Pour qu'ils ne puissent pas dévoiler ce qui se passait, qui les envoyait, parce que chez ces gens, on vous utilise comme les serpillères du stade olympique de Ouattara, puis on vous jette dans l'eau.